Ici Krico pour un nouvel épisode de Zelda Intégrale et nous sommes rendus à l'épisode de 13. Et il est temps de faire le temple de l'eau qui doit être par là. Mais bon, donc avant tout, je vais récupérer des trucs si je peux. Non. Donc, voyons voir. On sort. Ouais! Oh les chutes du Niagara. Non, c'est le lac Faroria. Oh. Le lac Faroria. Oui. OK. Wow. Bon, voyons voir. Oh, qu'est-ce que c'est? Encore un humain, Glou. Ah. Je dois disparaître avant qu'il ne me remarque. Que tu es? T'es-tu, Glou? Si tu t'approches encore, je vais le dire au dragon d'eau. What the fuck? Ah, Glou, tu ne pourras pas entrer ici. Viens me chercher si tu y arrives, Glou. Ah, Glou! Tu es plutôt doué pour un humain. Mais. T'es un écaille du dragon d'eau. Ce qui voudrait dire que tu es le messager guidé vers la déesse dont parlait le dragon d'eau. Oh, mais alors tu pourrais peut-être sauver le dragon. Il y a un peu un type bizarre accompagné de monstres à attaquer le dragon. Comme elle est très forte, elle les a presque tout mangés, mais. Il était si nombreux que le type bizarre a réussi à la blesser. Et maintenant, elle n'a plus assez d'eau pour se soigner. S'il te plaît, va voir le dragon et écoute son histoire. Je vais te guider jusqu'à elle. L'ami que je devais retrouver ici n'est pas là. Et en plus, un tas de rochers bloque le passage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Allez.
Et voilà. Forêt de Firon. Oh, magnifique! Le dragon d'eau est par là. Suis-moi. Let's go. Par ici, vite, loup, vite. Tu ne peux pas passer. Être humain, c'est pas pratique. Essaie de passer par-dessus. Ouais. Waouh, super! Enfin, pas de toi, l'écaille du dragon. Oh. Bon, on va sauvegarder pour être sûr. Il y a un coffre en haut. Ah! Oh. Oh. Il y a un cube de la déesse. Oh! Une poussière de déesse. 3. Et voilà. Oui! Ben, c'est pas peur. Où faut que je... Ah, ok. Oh. Goglo, ce poisson! Ce sont des poissons comme lui qui ont attaqué le dragon. Fais attention. Oh. Ouais.
Tu es bien le messager de la déesse. Oh. Nous y voilà. Oh. Allez, rouvre la porte. Je te trouve par ici. Attends une petite minute. What? Par ici. What? Il ouvre la porte avec sa tête. Ah. Cool. Bonjour. Tu es un humain, n'est-ce pas? Tu es dans un lieu sacré, l'endroit où je vis. Bon, ok, attendez un petit peu, je vérifie quelque chose. Donc, je stoppe le... Tu n'as rien à faire ici. Ah, dommage. Comment as-tu fait pour entrer? En effet, je suis Firon, le dragon d'eau, à qui la déesse a confié cette région. Malgré mon apparence, je suis un envoyé de la déesse. Dis-moi, tu portes mon écaille? Une relique que seul l'élu de la déesse peut posséder, serait-ce donc toi? Cependant, même si c'était le cas, aucun humain n'est censé pouvoir s'approcher d'ici. Je vois. C'est cet ermite à la langue bien pendue. Je lui avais pourtant interdit de parler de ce lieu à qui que ce soit. Je le mangerai donc la prochaine fois que je le verrai. Mais laissons cela. Tu es donc venu quérir la flamme sacrée. Oui. Ah, c'est signe du courage. C'est bien ce que je pensais. Mais j'ai du mal à croire que la déesse ait pu choisir un enfant aussi chétif que toi. Je vais donc te tester. Là-dessus, j'ai été blessé par un certain Guéarim. Il se prétend monarque et démoniaque et j'ai du mal à me soigner. L'eau contenue dans cette bassine est de l'eau sacrée. Elle a des propriétés curatives, mais ses effets sont faibles et sont faibles à présent. Il m'en faut une plus fraîche et plus puissante. Je vais donc me chercher de l'eau sacrée. Il faut qu'elle ressemble à celle de cette bassine. Si tu fais cela pour moi, je te guiderai vers la flamme sacrée que tu cherches. Qu'en dis-tu? D'accord. Analyse de l'eau de la bassine. Ajout de la fonction détection opérée. Vous pouvez à présent rechercher de l'eau sacrée. Ok. Maître, vous avez un flacon vide parmi vos possessions. Veuillez l'utiliser pour transporter de l'eau. Ok, let's go. Mène à la forêt de Féron. Alors va, ne me fais pas attendre.
Oh. Oh! Wing wing. Yay. On va voir qu'est-ce que là. Ah! Maître Fay au rapport. Nous trouvons au sud-ouest de la forêt de Féron. Veuillez vérifier votre position sur la carte. Oh shit, ok. Correct. On va repartir aussi dans le ciel. Go. Oui. Donc, je vais aller à Salisbourg pour essayer d'acheter mon bouclier que je voulais. Vous vous souvenez c'est quel bouclier que je parle? Je crois que j'ai pas assez encore de rubis. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oh, ok. Ah, justement. Un corps de cœur. Oh, yes. Fragment de cœur. Justement ce que j'avais besoin. Ah merde. Bon. Voyons voir pour le bouclier. Bonjour. Ah, je vois que ce bouclier. Ok, bon, ta curiosité. Let's go. Le bracelet à 500. Je rigole. Aucun problème, aucun problème. Bon, 20 rubis, let's go. On a besoin 500 rubis. Oh, je vais trouver 500 rubis.
On va y avoir. Faut attendre le. Là, on voit quelque chose en haut, là. Il y a un gros nid. Puis je vois c'est quoi. Oh, c'est pas haut. Oh. Et merde. Je crois que j'ai mal tiré. Bon, tant pis. Donc, où faudrait que j'aille? Oh. Bon, on va retourner à la forêt de Ferron, ça doit être proche. Jamais je croirais que c'est pas proche. Allez! Ouais, ok, j'ai compris. Et on va aller au temple de la forêt. À l'extrémité totale. Depuis quand il y a ça? Ok. Ok, il est vraiment dedans. Ok. J'ai repéré l'eau sacrée à l'intérieur de ce temps. Ok. J'ai dit que l'eau sacrée se trouve au plus profond de ce temps. Donc à la fin. Ok. Bon.
Je ressens la présence de monstres plus nombreux que lors de notre dernière visite. Soyez prudent. Ok. Wow. On se connaît, non? Ouais, ça me revient. On s'est croisé au volcan, c'est ça? Toi aussi, t'es venu chercher les trésors. Gagné. C'est bien ce que je pensais. Tu empestes le trésor à des kilomètres. Hein? Aussi, t'es venu parce que t'as entendu les histoires du type qui ressemble à un gros caillou. Le Goron. À l'endroit où virevoltant les papillons dans le temple fait résonner une douce mélodie. Ce qu'il m'a raconté. Mais même quand je chante de ma plus belle voix, il se passe rien. Enfin, maintenant que je suis là, je vais fouiner. Ok, bon. Voyons voir. Ah ah! Hey là, tu crois quand même pas que tu vas prendre les trésors pour toi tout seul? Enfin, il y a un symbole bizarre. Qu'est-ce qui est apparu sur le mur? Mais il n'y a pas l'air de se passer grand-chose. Je crois que le gros caillou s'est bien payé notre tête. Allez, je prends la tangente. Bon. Ouais. Meilleure façon pour faire des rubis. Bon. Oh. Oh, faut trouver la clé. Ah, la poisse, c'était bien la peine que je m'embête à chaparder cette clé à cette satanée monstre. J'ai dû la cacher dans un trou, mais je me souviens plus lequel. Enfin, moi, les clés, ça m'intéresse pas. Tant que ça. Ce que je veux, c'est des trésors. Ok, bon. Les cacher dans un trou. Génial. Ah! Oh, ok. Let's go. Ouh.
Oh! Ah! Ah. Même pas? Putain. Il l'a mis où sa putain de clé? Le problème, c'est qu'il peut être n'importe où. Bon, on va arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ah, attends. Ah, non, ok. Donc, on va arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. Laissez un petit commentaire pour savoir si la vidéo est améliorée ou non. Et je vous dis à la prochaine et bye bye.